Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur The Callisto Protocol, sur notre jeu qui nous fait recommencer encore et encore et encore et encore. Donc la dernière fois les amis, on s'était laissé juste à côté de ce cadavre qui avait un code d'accès que j'avais besoin pour activer la petite commande ici. Donc ça c'est une zone où j'ai pas mal galéré lors de l'épisode précédent, je vous ai pas tout montré, mais heureusement que je vous ai pas tout montré. Parce que sinon, vous auriez vu comment c'était ultra chaud. Donc on va mettre ça là-dedans. Elias, tu me reçois? J'ouvre le verrouillage. Beau travail, vieux. J'entre dans la station. Le problème, c'est que je peux pas l'atteindre. La passerelle s'est effondrée. La pièce de service d'en face mène au niveau inférieur. Regarde si tu peux atteindre la passerelle de là. Bien. Dépêche-toi, la tempête. Ok. Eh ben, on va traverser, hein. Alors, je vais essayer de tailler tout droit. Si c'est possible. Ok, c'est pas possible. Si c'est peut-être possible. Essayer. Vite, 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 vite. Eh merde. Ce serait cool que la porte se referme. Voilà. Ok, c'est bon. On a pris un petit coup, les amis, mais ça évite de gaspiller des munitions pour tuer les ennemis comme ça, là. J'ai pas envie de passer mes balles dessus. Ok, je peux pas couper ça. Ah si, ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant, les amis? Ça, j'en sais rien. Mais je peux aller à deux endroits différents. Ok, je peux aller soit là, ou de l'autre côté. Ok, on va voir, on va essayer de tenter par là, si c'est trop complexe. On rechargera la sauvegarde. Ok. Ok. Ah non. Aïe aïe aïe. Ok, non non, c'est pas bon les amis, c'est pas bon. Jump. Plus de balles. Ok, il m'a tué. Cherchez la passerelle effondrée. Ok. Ok, très bien. Alors, on va bien savoir où sont les ennemis. Ok, d'accord. Merde. Putain, j'ai pas vu arriver lui.
Voilà, je vais me faire détruire les amis. Merde, putain, casse-toi. Ok. Putain, on s'est fait violenter là. Oh la vache. Ok, on va se soigner. Ok, on va essayer de recharger le pétard là. Ok. On va bien fouiller les corps. Ok, il me reste 4 balles de pompe. Du coup, là-bas, on avait dit qu'il n'y avait rien. Par contre, ouais, je peux pas récupérer les trucs du coup, vu que je les ai lancés dedans. Ça, c'est la merde. Ok, c'est pas grave. On continue. Un petit checkpoint ici, ça fait plaisir. Là, ça commence à devenir ultra dur, hein, les amis. Ok, est-ce que j'ai un truc pour recharger J'ai rien pour recharger ma batterie. Jacob, hey, par ici. Ok, moi je parle pas allemand, mon ami. Attends, tu veux que je grimpe ça? Ça dépend. Tu veux quitter ce caillou ou pas? Ouais, bien vu. Facile, il suffit de pas regarder en bas. Ok, si tu le dis. T'as une sale gueule. Tu m'étonnes, et au sens propre. Parce que quelqu'un a oublié de me dire que j'allais nager dans la merde. Je t'avais dit que ça allait pas être facile, mais t'y es quand même arrivé. Ouais, toi et moi. On n'y est pas encore, mais on se rapproche. Allez, attrape ma main. Dépêche-toi. Allez, attrape ma main. Oh, ça devient dur. Oh putain. Eh, faut courir là, les gars. Bien joué. Putain. Eh ben nom de Dieu. Putain mec, je crois que ces choses sont en train de changer, d'évoluer. Ouais, je crois qu'on doit se tirer d'ici. La combi, c'est pourquoi? La station a été endommagée pendant l'évacuation. On doit sortir pour accéder au tram. Tiens, habille-toi. On doit encore traverser cette tempête. Quand tu seras prêt, je fermerai le sas. Ok, il faut que je me change. Je t'ai jamais demandé pourquoi t'es ici. Pourquoi? T'as peur d'aider un meurtrier à s'échapper? Ouais, en quelque sorte. Et alors? Écoute. C'était il y a longtemps, ok?
Je me défendais. Mauvais endroit, mauvais moment. Ok, donc lui, c'est un ancien meurtrier. J'ai pris pas mal de mauvaises décisions. Il s'est fait choper parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment. Je suis sur toi. Non. Non, non. À l'époque, je blâmais tout le monde. Et puis, j'ai compris que c'était ma faute. Et du coup, il s'est défendu. Il a dû se faire choper par la sécurité. J'aurais pas dit mieux. Oh, what the fuck? Ok, c'est cool, il a ouvert le sas. Alors, nouveau chapitre qui commence. Alerte. Perdu. Plusieurs. Oh putain, on va être au milieu de... On va être au milieu du territoire, là. Mets la visière, mets la visière. Pour les moustiques. L'autre il se plante un couteau dans la tête. Eh, faut être serein quand même sur ce que tu fais. Sur... C'est chaud hein sinon. Ok, bah on a perdu notre poteau, je sais pas où il est. Ce qui est important, c'est qu'on a toujours la matraque. Cet enfoiré de Ferris, comment il est encore en vie? Oula, non, ici on va pas y aller, parce que c'est trop dangereux. Elias! Alors, combinaison en ligne, amélioration de la santé et de l'inventaire. Oh bah tiens, enfin on a un inventaire qui est un peu plus grand. Eh bah putain, c'était pas trop tôt. Alors il est plus grand comment? Ah ouais, on a 3 cases de plus. C'est quand même mieux. C'est pas négligeable quand même, parce que sinon il fallait toujours faire des allers-retours. Ça c'était un petit peu chiant. Là je me casse une jambe. Oh merde. Elias, il est en PLS mon pote. Si tu m'entends, active ta balise d'urgence. Le poteau en PLS. Putain, y a rien, y a pas de ressources, y a rien. Mon dieu. Ok, alors du coup. Oh putain, je crois qu'il est là-bas le poteau. Tiens mon copain. J'arrive au plus vite. Mais c'est un peu la merde, je vois rien avec la neige et tout. Je suis ultra ralenti frérot. Tiens le coup encore quelques secondes. Elias! Elias! On doit continuer! On doit continuer! Allez! On doit te mettre à l'abri! Viens! Je peux pas! Allez, tu peux le faire! C'est pas si loin! On est pas si loin! Allez! Non! Non! Ah, ah. Alors pourquoi il fait ça? Il a été blessé, il a été quoi? Non mec, j'en peux plus. Merci. Ah mais non, sa visière a été cassée. Grâce à toi. Donc ouais, c'est peut-être au niveau d'oxygène. Ah j'avais pas vu que sa visière était cassée. Je suis sorti.
Du coup, peut-être que ça l'empêche soit de respirer normalement, je pense. On se voit de l'autre côté, mec. Ah, je pense que c'est ça. Hein. Oh cool, il y a une ambulance. Ah tiens, on retrouve celle qui m'a trahi. Tu lui dis de pas te faire confiance. Comment tu nous as trouvé? Grâce à la balise. T'as de la chance que ce soit moi qui l'ai repéré. T'arrives trop tard. Pas pour ce dont j'ai besoin. Il connaissait Black Iron comme sa poche. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais? Hé hey! Maintenant, moi aussi. Putain, elle l'a planté, elle a même pas réfléchi, elle. Et l'amitié, ça te parle ou pas? Attends! Où tu crois aller comme ça? Je suis pilote, t'as besoin de moi. Le hangar est par là. Tu devrais te dépêcher. Ok, je sais pas si elle sera dans mon équipe, elle, plus tard, mais... C'est difficile de savoir si on peut lui faire confiance, elle. What, il est parti où mon collègue? Ah non, il est là. Désolé, je peux pas te piétiner, voir si t'as des crédits sur toi. Non, je dois rejoindre le hangar. Ok, bon, ah, donc le jeu veut pas que je te piétine. Il te respecte, bien. Ok, alors du coup. Faut que je sorte de cette tempête. Je vous casse les gars, vous m'en voulez pas, mais j'ai pas une totale confiance en vous. Ok, de la santé. Des petits crédits. Je l'avais dit les amis, je l'avais annoncé. Qu'il y en a qui allaient pas être chill. Et bah c'était eux. Il y en avait deux. Alors j'ai combien de mun de fusil à pompe, j'en ai 15. Ok, on va peut-être passer sur le... Ok, 4, voilà. Alors, continuer vers le hangar, ok. Ok, on récupère de la santé, on va recharger. Voilà. Ok, donc il y en a dans la neige encore, super. Trop satisfaisant. Donc eux, ils font toujours double... J'ai l'impression qu'ils sont...
J'ai l'impression qu'eux ils font double tape les grands qui sortent de la neige. Du coup faut toujours faire double esquive avant de les taper. On va rester vigilant quand même. Je crois que c'est le truc le plus satisfaisant que j'aime voir dans le jeu. Oh lui, je l'ai jeté par-dessus. J'aurais éventuellement pu le choper. Enfin, le tuer avec les balles, je pense. Mais je voulais pas tenter ma chance. Ok, on récupère ça. Enfin, on ouvre la porte, du moins. Par contre, le mécanisme marche bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ok, par contre mon truc il est déchargé. Attendez, vu qu'il y a des trucs explosifs là, on va peut-être prendre plutôt le pistolet. Ouh, il y a beaucoup de trucs explosifs là. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'ennemis. Essaie de trouver quelque chose pour faire levier sur cette porte. Cette tunnel d'accès mène au garage de la dameuse. Je peux nous faire entrer. Ouais, c'est juste que tu laisses pas sortir ce que j'ai pas envie. Moi je veux bien entrer, mais faut pas que tu laisses les autres sortir. Ah, t'inquiète pas, elles vont venir les choses. Mais tu veux que je prenne quoi, frérot? Oh merde, 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 merde. Ok, il y a des ennemis qui pop. Par-ci, par-là. Ok. C'est où? Et ça disparaît, ça va me réapparaître dessus. Merde.
putain, il y en a encore. Oh merde. Ok, on va recharger. Ok. On va tout écraser. Eh merde. Ils sont combien ? Il me semble avoir. J'entends un bruit, mais je sais pas où il est. Ah, mais ok, la porte est ouverte. Ah, ok, la porte est ouverte, mais il n'y a rien dedans. Ok, donc c'est l'autre porte alors. Ok, on va soigner un petit coup quand même. Là, on est limite. Je pense qu'il nous reste un grab possible avec... Ah mais c'est toi, ok, d'accord. Ok. Putain, ce qui m'a enlevé de vie. Ok, j'ai pu regagner de la vie un peu. Alors, on récupère un petit collectible. Ok. Entrer dans les tunnels qui mènent au garage. Ah. Ok, alors les tunnels qui mènent au garage. Oui, oui, oui. Moi je veux bien entrer dans les tunnels. Ok, c'était celui-là. Ok, alors du coup on va rentrer là-dedans. Trouver un moyen de traverser les tunnels. Ok, on retrouve les endroits super cool, bien dégueulasses. Qu'on kiffe. This way. Ok, t'es sûr? Je sens que ton this way, c'est un... C'est un trap, non? Okay, on va remettre le fusil à pompe, on sait jamais. Ok, gauche c'est good, droite c'est good. Ok,
Oh là, il y a une grosse bête. Il y a quelque chose de pas beau ici. Donc je peux aller. Ok, j'ai trois chemins différents. Brûleur. Ok, je croyais que c'était un truc pour une arme. Putain, ça aurait été insane, un brûleur. A été super cool pour nous. Ok, donc là il n'y a rien. Enfin, il y avait un petit crédit, rien de bien méchant. Donc là c'est bouché, donc il y a toujours deux chemins disponibles dans le jeu, un endroit où il y a des ressources, un endroit où c'est le chemin principal. Oh putain, il y a des nids de merdouille là. Ok, vous savez quoi, les nids de merdouille. Putain, je peux pas les... Si, si, il y en a un de nid de machin. Je sais pas où, mais il y en a un. Il me semble que quand ça fait ce bruit, c'est qu'il y a un nid de... De serpent là. Truc de merde. Qui va me pomper de la vie. Ah, ok. J'ai vu un petit truc. C'était pas un ver de terre ça. Je peux vous le dire. Ah bah il a réussi. Il a réussi à passer là lui. Ok, donc j'ai deux chemins, soit là-bas, soit ici. On va commencer par là. Gel de santé. Ouais, je vais quand même le récupérer. Ça me donne 35 de santé, mais il me manquait pas 35. C'est dommage de l'avoir utilisé, mais bon. Ok, on va essayer d'aller jusqu'à un petit checkpoint là. Putain, j'aime pas ces endroits ultra serrés. Crazy, oui. Ok, je pense que c'est le moment de faire une petite pause ici, les amis. Donc on se retrouvera dans le prochain épisode et on va continuer à s'enfoncer dans ce complexe souterrain qui est, ma foi, pas très très accueillant.